Bonjour, je m'appelle Sarah Pierre et je vais vous montrer comment on emballe un kit d'instruments. Donc, j'ai préalablement fait mes petites tapes. Donc, j'ai écrit c'est quoi qu'il y avait dans mon kit, mes initiales, la date. J'ai mon indicateur externe de stérilité. J'ai aussi passé mon indicateur externe de stérilité à la moitié de mes gaz. Puis, j'ai fait attention pour pas qu'ils touchent à mes instruments. Donc, j'ai préalablement désinfecté ma table. Tout est beau. Je vais passer le rouleau sur mon champ. Pas mon champ, mon truc d'emballage. Donc, quand c'est fait, je vais passer mon kit au centre. Puis, je vais commencer par. Comme ça. Donc, je fais ma petite languette. Je m'assure que c'est bien serré. Je vais faire la même chose avec toutes mes petites languettes. Comme ça. Donc, ici, je veux pas qu'il y ait d'ouverture lorsque je vais fermer mon paquet. Donc, j'ai essayé de ratisser ma pointe. Comme ça. Et puis avec ma petite pointe, je vais la rentrer, je vais la rentrer dans mon ouverture comme ça. Mais je vais laisser ma pointe dépasser pour que ce soit facile lors du déballage. Je vais faire la même chose avec mon autre champ. Je m'assure que c'est l'envers. J'ai oublié de le dire tantôt. C'est l'envers qui est vers moi. Dans le fond, que je vois bien la couture. Comme ça. Et puis, je répète la même chose. Donc, je mets la pointe vers moi. Je vais m'assurer que je suis peut-être un peu au milieu. Comme ça. Puis, je fais la même chose. Une fois, je vais rentrer dans mon truc. Comme ça. Puis, il me reste juste à installer mes tapes de chaque côté. J'ai un petit problème avec mon tape. Mais bon, pour le besoin de la cause, je vais le taper comme ça. Je fais ma clapette en haut. Puis, je fais la même chose de l'autre côté. Mais je pense que je vais le taper comme ça. Que mon indicateur de stérilité soit bien visible. J'ai beaucoup de problèmes avec mes tapes. Mais comme ça, ça va être correct. Et voilà, mon kit est emballé.